75. C'est vrai que là, le Portugal est en train de perdre du terrain vis-à-vis des nations de référence dans ce groupe B. Alors qu'on va s'intéresser tout de suite à Claudia Rynkowska, la Polonaise, pour terminer cette troisième et avant-dernière rotation de la session matinale. Chaque pays adopte sa stratégie pour faire passer les gymnastes. Certains pays souhaitent monter en puissance en faisant d'abord passer leur deuxième gymnaste et terminer sur la meilleure gymnaste nationale. Donc, par le jeu de ces stratégies, mademoiselle Claudia Rynkowska effectue son premier passage à ce niveau-là de la compétition. Parce que, on vous le rappelle, trois gymnastes par nation. Il faut obtenir deux notes par engin, donc toutes les stratégies sont possibles. Une athlète peut choisir un seul engin, deux, trois, quatre passages, et on peut combiner comme ça pour arriver au bout du concours à obtenir les huit notes nécessaires. On voit des choses très différentes hein, au niveau des stratégies. Les Russes ont adopté pour le concours par équipe, on choisit d'aligner Alina Kabaeva à 4 engins, la deuxième Russe à 3 engins et la troisième Russe à 1 engin. La France a choisi d'aligner 2 gymnastes à 4 engins chacune.